Kwitea Magara est le programme de la mesure résilience de l'Union européenne consacré à la santé. Enabel est le chef de file d'un consortium composé de 4 organisations que sont l'OMS, l'OIM, Memisa et Enabel qui œuvrent dans le cadre du programme Kwitea Magara à accroître l'accessibilité universelle à des services de santé de qualité au niveau des structures de soins et au niveau communautaire. La digitalisation est un outil que Enabel essaye de promouvoir pour améliorer l'efficacité et la qualité de la prise en charge du patient. C'est donc un instrument qui est tourné vers une meilleure prise en charge du patient, qui est l'élément central dans les interventions de Enabel. L'informatisation des processus gestionnaires du Centre national de transfusion sanguine est une activité phare du consortium Enabel dans le cadre du programme Kwitea Magara dans son objectif de digitalisation du système de santé. Byaratugora kumenya abatanga amaraso dufise uko bangana canke kubakurikirana iyo tumukeneye ko aduha nk'amaraso kuko hariho amaraso usanga kenye ugasanga biragoye kumutora ariko ubu turabafise umukeneye ucumuraba mu nyabwonko ukacumutelefona hanyuma icyo umukeneye ko akaza akagikora. L'hôpital de référence de Kwibaga a été informatisé et les premiers résultats sont déjà observables. Ubwo buhinga bwa none bita la digitalisation burafasha yuko umugwayi aje kwivuza adataba kwa muganga. Kera vyarateba kubera baja kurondera amadosiye ahantu bayabika kandi ugasanga ni menshi, zimwe bakazibura zindi bakazironka canke ayibuze naho vyaca bisaba yuko bagura iyindi. Kuva dutanguriye uwo mugambi nta dosiye y'umugwayi agitakara kuko dosiye iriho mashini. Kare narinda kurinda nkabona nti nakiriye abagwayi benshi ndatebye gutaha uwunjungu yashitse ngaca ndabiheba, ariko ubu ngenda mbonye nti natoye amahera aya n'aya niyo na ronse nta manka afise. Umugambi wadufashije yuko atarenze amadosiye tukigura n'amarojisitire ni ukuvuga rero ko uburyo bwahora bukoreshwa muri ivyo bintu. De nombreuses réalisations dans le cadre de la digitalisation pourraient être citées, notamment la mise à jour du système de stratégie plainte-traitement avec l'intégration dans l'application Android d'un module pour faciliter le tri des cas suspects du Covid-19, la mise en production de ces SPT digitalisés dans 50 centres de santé de Bujumbura, 37 Bujumbura et 13 mairies, les formations certificats en informatique sanitaire appliquée en collaboration avec l'Institut national de santé publique, entre autres.